Il faut former d'abord les formateurs, électoraux, afin qu'ils puissent à leur tour commencer à former des formateurs pour former les observateurs ainsi que les témoins à travers la République démocratique du Congo, ainsi que les directeurs de campagne de notre président de la République dans toutes les circonscriptions de la République démocratique du Congo et à l'extérieur, et aussi des directeurs de campagne pour tous nos candidats députés provinciaux, sénateurs et députés nationaux. Raison d'être de la mise en exécution du plan stratégique pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo et de la conservation du pouvoir d'une manière démocratique avec 400 députés à l'Assemblée nationale en 2022. Alors qu'est-ce qui est prévu ou quels sont les modules d'information? Il y a des modules sur l'observance des élections, il y a des modules sur la nouvelle loi électorale, il y a des modules sur le système des électoraux, il y a des modules sur le tshisekedisme et la planification des candidats aux élections de 2023. Il y a des modules aussi pour la formation de témoins électoraux. Depuis longtemps, nous réfléchissons sur le fait que les partis congolais, les partis politiques congolais sont au Congo, parmi le peuple congolais, sans idéologie. Quelle est l'idéologie de tel parti politique? Quelle est l'idéologie de tel parti politique? Nous avons toujours dit aux gens que le Congo change à tous les niveaux. Nous devons donc, avec Félix-Antoine Tshisekedi, montrer aux gens que le Congo change. Tout change, l'homme congolais doit changer. Et cela, à tout point de vue, le véritable changement, c'est le changement de mental, de la façon de voir le Congo. Le Congo, pour se développer, doit avoir les Congolais qui changent la façon de voir le Congo. Si on avait l'habitude de voler le bien de l'État, mais avec Tshisekedi, on ne doit plus voler. Mais si on avait l'habitude de violer les Congolais, avec Félix Tshisekedi, on ne doit plus violer. Si on avait l'habitude de mentir, c'est ça, l'ensemble du fair play de Tshisekedi, l'ensemble du bien-être, l'ensemble de la convivialité pour le peuple congolais, dans le peuple d'abord, c'est cela que j'appelle le tshisekedisme. Merci. Non, on doit former les gens. Parce que quand les gens ne sont pas formés, comment ils vont aller à l'aide pour aussi former les autres. Parce qu'on parle des élections. Dans notre façon de faire et de parler et d'écrire, nous n'avons plus les... De la propre, quand même. Mais...